ça de vélo, ça va. Niveau pression, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te situes? Là, maintenant qu'on est lancé, on est entre 7 et 8, ça va. Ah, ça va, c'est plutôt pas mal. Crier un peu pour voir si ça résonne. Le WOTC 1.C. Ah oui, pas le version 3, le WOTC. Ouais, le WOTC 1.C. Donc le partenaire A, lui, il va avoir un peu plus de calories puisqu'il va faire 25 calories à l'éco-bike. 3, 2, 1, go guys! 25 calories, deadline! Là, ils enchaînent pas sur le handstand wall, ils partent directement sur le bear hug, le shuffle, ils font un aller-retour. Attention la team Bonnet, on ne triche le pas, je vous vois. On ne rachète pas des calories. La team Corrigan. Et derrière 7,50 m de handstand wall. On est parti pour Alexandre. Alexandre est sûr qu'il s'est lancé sur le plan de. Une fois qu'il a terminé sa portion, il revient tous les trois, il buzz. Le push-up, il les fait où? Au milieu. Entre, regarde, là, il y a les traits, là, en fait, il y aura les abmats qui seront placés sur les traits blancs. Ok. Et attention, si jamais il y en a qui buzz, on passe au chrono. Enfin, on reste au chrono, parce que ça va sortir ici. Mais s'il buzz trop tôt, en fait, le mec il sort. S'il buzz trop tôt. Non, mais de toute façon, c'est le chrono. S'il se voit, on prendra le chrono. Voilà, c'est ça. En fait, ça va servir le chrono, c'est le choix, etc. C'est valide comme chrono si ça a bien respecté et que ça match avec le chrono. Si à partir du moment où la scorecard, le juge, il a émis un commentaire, on reprendra la scorecard manuelle avec le chrono manuel pour mettre la pénalité. Ah si, ça y est, ça vient de se mettre. En fait, à chaque fois que vous validez une série, il faut faire refresh. Parce que sinon, ça... Est-ce que toi, tu pratiques du crossfit? Oui, mais à petite échelle. D'accord. Ça fait un an et demi. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Et est-ce que tu aurais voulu faire ce WOD Elite que tu viens de voir? Franchement, non. Non. J'aurais aimé l'essayer si j'avais le niveau, mais j'ai pas le niveau pour. Ça t'a plu? Ouais, vraiment. Ok. Le format était cool. Ouais, tu as hâte de la suite? Ouais, j'ai hâte de la suite. Ah, tant mieux. Ben, merci en tout cas. Merci. Allez là. Donc avant de voir ce qui nous réserve le WOD 3 et le WOD de maintenant, je pensais à remercier déjà vous tous les athlètes d'être ici, d'avoir fait le chemin parce que vous venez de loin. Et j'aimerais remercier Hello qui a une partie qui est un peu plus dans l'ombre que nous, type sportif, on est toujours au milieu. On va dire des fois vous en avez marre de nous, c'est vrai, comme tout à l'heure. Mais il y en a qui ont travaillé énormément, tous les managers de l'ombre. Et je pense aussi aux mecs qui ont rendu possible ce qu'il y avait sur l'écran géant et tout ce qui est autour de vous. D'accord ? Les deux dames, Elia, qui ont énormément travaillé sur cette partie-là pour vous proposer le spectacle. Et à tous les hommes de l'ombre, je pense qu'on peut les applaudir. D'accord ?